C'est vrai que cette année 2021, il n'y a plus de saison, et que, soit dit au passage, parfois c'est quand même un petit peu flippant de voir à quel point tout ça se dérègle véritablement, mais on va mettre ça dans un coin pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par le passé, dans l'univers du jeu vidéo, les conférences étaient véritablement centralisées. On savait qu'il y avait l'E3, et pendant une petite semaine, bam bam bam, ça partait dans tous les sens, après il y avait la Gamescom, et puis après il fallait attendre le Tokyo Game Show, etc. Eh bien là, c'est fini tout ça. Mais non, Electronic Arts, par exemple, a décidé de zapper l'E3, globalement, pour refaire son propre événement, le EA Play Live, et ce sera dans quelques jours, à la fin du mois de juillet, le 22 juillet. Eh bien, en attendant, pendant tout ce mois, il nous donne rendez-vous. Mais oui, regardez, dès cette semaine, jeudi, le 8 juillet, le futur des FPS du côté de Electronic Arts. Alors de quoi s'agira-t-il? Eh bien de Apex Legends, où on en apprendra un petit peu plus, mais aussi, et surtout diront certains, Battlefield 2042, un peu plus d'informations avant même leur conférence. Mais ce n'est pas tout, non, regardez. Autre rendez-vous, le 13 juillet, donc la semaine suivante, avec un focus sur les studios indépendants, qui sont dans le label EA Originals, avec Joseph Fares, par exemple, qui sera de retour, avec un retour d'expérience autour du succès de It Takes Two, qui pour l'instant reste véritablement mon coup de cœur de cette année 2021, mais c'est pas tout, il y aura aussi du Lost in Random et peut-être d'autres jeux EA Originals. Et encore, le 19 juillet, donc la semaine d'après, du Madden NFL 22, voilà, pour les fans de football américain. Et il se murmure qu'un événement EA Sports, qui ne serait donc pas Madden, et qui pourrait donc être FIFA 22, pourrait avoir lieu avant le 22 juillet, donc le EA Play Live. Donc, vous l'aurez compris, ici même sur la chaîne, on va suivre toutes ces conférences en direct. Voilà. Donc vous êtes au bon endroit pour ne rien manquer, parce que l'actualité du jeu vidéo, elle n'a pas l'air d'avoir décidé de prendre de vacances cette année. Et cette semaine, d'ailleurs, il y aura plusieurs conférences. Il y en aura une demain, il y en aura donc hier jeudi, et il y aura aussi la WitcherCon. Et ça, ce sera vendredi, à vivre ici même sur la chaîne. Donc, je vous en reparle très prochainement sur mes réseaux sociaux et ici même sur la chaîne.